Alors, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui en fait pour faire un petit live pour vous présenter les différents événements qui auront lieu entre le 8 et le 12 juin à l'occasion de la première journée nationale de sensibilisation au TDAH. Je laisse la parole à Virginie. Bonjour à tous, coucou Stéphanie. Donc, comme le disait Stéphanie, effectivement, on a décidé de vous proposer ce petit live un peu dernière minute, mais c'est plus fun comme ça. Puis ça colle bien avec l'idée du TDAH. Donc, je crois qu'on est à peu près tous là hein, sur les associations qui co-organisent la journée. Du coup, Stéphanie, on présente hein, chacune nos événements comme on l'avait prévu. Oui, tout à Donc, fait, oui. Et les j'ouvre personnes le bal. pourront poser leurs questions aussi par écrit s'il y a des questions. Ça marche. Voilà, Oui, il y pour a le n'hésiter chat pas. hein, pour poser des questions, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, on va attaquer. Donc, je suis Virginie Bousslama, la présidente de l'association Typique Atypique qui organise en partenariat donc, avec Stéphanie et TDAH pour une égalité des chances la journée. Donc, il y a Corinne qui est avec moi. Corinne Dominguez, vice-présidente de l'association Typique Atypique. Voilà, qu'on ne voit jamais. Donc, c'est bien pour une fois, on la voit. Hein, comme ça, je ne suis pas la seule, il n'y a pas de raison. Donc, du coup, nous, on organise un événement le samedi 12 juin sur Strasbourg. Alors, en raison de la situation sanitaire, on sera en webinaire hein, via Zoom. Donc, on a déjà donné les liens sur Facebook, sur les sites un peu partout. Donc, de toute façon, on les remettra régulièrement. Donc, nous, la journée se décompose en quatre conférences. Donc, quatre professionnels différents, neuropsy et psychiatre. Le thème de la journée chez nous, c'est le TDAH de l'enfance à l'âge adulte. Et donc, on démarrera au début. Hein, la première intervention sera une intervention de Mathieu Chevassu, qui est neuropsychologue, qui nous fera un peu un topo finalement sur quand on va voir un neuropsy, chez qui on est, qui est le neuropsy, qu'est-ce que fait le neuropsy et en quoi il peut donc aider les familles qui viennent pour faire un diagnostic de TDAH pour leur enfant. Donc, il est vraiment spécialisé dans l'évaluation, hein, dans le bilan du TDAH. Et après, il propose la guidance parentale. On enchaînera ensuite avec Naomi Hamelin, qui travaille avec lui dans le cabinet de neuropsy, qui elle, en fait, est neuropsy et qui nous parlera de l'utilisation des jeux vidéo comme thérapie, en fait, pour le TDAH. Donc, apprendre à gérer son TDAH en s'amusant, c'est possible. Donc, ça sera très intéressant. Et elle, effectivement, est spécialisée vraiment dans l'accompagnement du TDAH et l'utilisation des nouvelles technologies pour l'accompagnement du TDAH. L'après-midi, on aura en première conférence l'intervention de docteur Sébastien Weibel, qui est psychiatre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, donc spécialisé dans le TDAH de l'adulte, et qui nous a préparé une conférence très sympa avec un titre qui donne envie, donc hyperactif, hypoplanificatif, multi-attentif et toujours TDAH. TDAH chez l'adulte, explication, diagnostic et traitement. Donc on abordera le sujet souvent sensible du traitement médicamenteux. Et ensuite, en dernière partie de journée, on aura une conférence d'un neuropsychologue qui vient de Belgique, Sébastien Henrard, qui est déjà très connu, qui lui nous parlera de l'hygiène de vie et du TDAH, puisqu'on parle souvent de la cause environnementale, de l'hygiène de vie, de tout ce qu'on peut mettre en place pour améliorer un peu le quotidien des personnes qui ont un TDAH. Donc, on a choisi la gratuité de l'événement, donc sur inscription quand même, hein, il y a les liens encore une fois qui ont été donnés. L'événement est gratuit pour permettre au plus grand nombre de participer. Et en parallèle, on aura, alors il y a des petites surprises, il y aura également ultérieurement sur les différents réseaux un petit clip qui sera mis sur les réseaux, donc avec une troupe de hip-hop à Strasbourg, Mistralès, et puis avec quatre enfants TDAH. Il y aura également une petite conférence d'un regroupement de sophrologues qui en fait vont nous expliquer en quoi la sophrologie peut aider effectivement dans la prise en charge du TDAH. Et normalement, nous aurons aussi des témoignages audio et écrits donc de personnes adultes qui ont un TDAH et une intervention d'une coach qui s'est spécialisée dans l'accompagnement des adultes TDAH. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit en un temps assez condensé. Je pense que c'est assez clair. Et puis, vous pouvez de toute façon retrouver toutes les infos donc sur le site Planète TDAH qui a été créé pour cette journée, sur notre site à nous. Les infos, vous les retrouvez aussi sur la page Facebook de la journée nationale hein, de sensibilisation au TDAH, sur LinkedIn, sur Instagram. Je pense qu'on est à peu près partout. Donc, il n'y a normalement pas de problème pour trouver les infos, les liens pour s'inscrire au webinaire et tout ce qu'il y a besoin de savoir. Voilà. Pour moi, c'est bon.
Ah ben voilà, il y a le site. Merci beaucoup, Virginie. Merci à toi. Merci beaucoup pour ce site vraiment merveilleux, hein, qui regroupe vraiment tous les événements des associations qui participent à cette journée, avec les liens, etc. Donc, c'est vrai que c'est vraiment important de pouvoir retrouver sur un site collectif tous ces événements. Donc, vraiment, merci beaucoup, parce que je sais que ça représente un travail énorme. Et voilà, donc merci vraiment de la part de nous tous. Merci, et merci à Anne. Bon, elle est pas connectée là, mais oui. Anne est une de nos super mamans. Très active, très investie, un membre bénévole actif et qui m'a filé un coup de main quand même parce que moi, au départ, la technologie, ce n'est pas trop mon fort. Mais voilà, merci à elle parce qu'effectivement, elle prend un peu le relais quand moi, ce que je fais, ce n'est pas trop sympa, enfin, ce n'est pas trop beau, ça ne colle pas trop. Voilà. Donc, mais le site, oui, merci aussi à toi et merci à tous parce que c'est vraiment, je pense, un site qui est génial, qui va perdurer dans le temps et qui va permettre effectivement de mettre en lumière, au-delà du TDAH, hein, de la cause qu'on sert, c'est justement tout notre travail à tous, interassociatif, tous les partenariats qu'on est en train de nouer. Et c'est vraiment l'idée et le but, puisque la journée, de toute façon, va être reproduite tous les ans, on l'espère. Hein. Voilà. Parfait. Donc là, maintenant, on peut passer, je vous propose de passer à l'association La Maison Arbaudis pour présenter l'événement du 12 juin. Alors. Bonjour à tous, merci Stéphanie, merci Virginie aussi pour ce beau projet que vous avez lancé et auquel on a tenu à participer parce que ça nous tient aussi à cœur. Alors nous, le 12 juin, on a un programme aussi chargé puisqu'on a on fait sur toute la journée donc une table ronde le matin et une table ronde l'après-midi. Donc le matin, nous avons décidé d'axer la matinée sur l'enfant. Donc, on a neuropédiatre, psychiatre, neuropsychologue, orthopédagogue autour de la table. Donc, pour un échange entre professionnels, mais aussi avec les personnes, donc en rebondissant et en répondant un peu aux questions qui nous sont posées en direct. Ensuite, une petite pause. Et l'après-midi, nous allons aller sur le TDAH et l'école. Ensuite, le TDAH et les adultes. Et donc, pour aborder ces thématiques-là, nous avons l'intervention donc, de l'orthopédagogue qui sera toujours là avec nous, d'une enseignante du collège qui va venir aussi donner son point de vue sur comment ça se passe pour les enseignants, pour accompagner les enfants au mieux, etc. Ensuite, nous avons l'intervention d'une avocate qui va, elle, venir aborder l'aspect juridique, droit, MDPH, RQTH, un peu mineur et majeur. Et puis, on a décidé de nous finir, et c'est un peu notre, sur tous les événements qu'on organise, un peu ce qu'on fait à chaque fois, c'est de finir sur une note un peu positive avec un enseignant de théâtre qui accompagne des enfants qui ont un TDAH et qui va venir expliquer quels sont les bienfaits du sport aussi pour les personnes qui ont un TDAH. Qu'est-ce qui manque entre sport et musique, bien sûr. Oui. Puisque dans l'association, nous avons Margot Wibo, orthopédagogue, qui a pratiqué 10 ans de flûte traversière et de piano. Et voilà, donc elle va expliquer tout l'impact positif justement de la musique dans la prise en charge du TDAH. Et comment accompagner ces enfants justement sur l'apprentissage d'un instrument avec tout ce qui est concentration, tout ce qui compose la complexité de l'apprentissage d'un instrument avec un TDAH aussi. Donc nous, nous avons opté pour, comme typique atypique, on a fait le choix de partir directement sur une version dématérialisée sur cette journée-là. Puisque comme tout le monde un peu, nous sommes soumis aux décisions préfectorales et aux ouvertures diverses et variées. Donc c'est un format qu'on connaît déjà, que nous on avait fait sur la journée des 10, donc on espère vous retrouver c'est quelque chose qu'on commence maintenant à maîtriser. À part l'aspect animation. Oui, voilà, ça, à part l'aspect animation où on se rôde, on regarde plein d'émissions pour comprendre un peu comment on fait. Moi, j'ai encore du boulot. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, Stéphanie, je ne sais pas, il me semble qu'on a oublié les témoignages, bien entendu, on aura des témoignages de différentes personnes.
une maman experte TDAH qui elle-même est TDAH et ses enfants également. Il y aura aussi un témoignage sur TDAH et monde du travail. Et puis, il y aura Alban et Akan qui Alban est TDAH et justement témoigne sur les réseaux. Elle a participé à une émission sur France 2 et donc elle explique la vie de TDAH. Et Akan, c'est son chien thérapeutique, donc elle va expliquer aussi qu'il y a des soins alternatifs, entre autres les chiens thérapeutiques. Voilà. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Ce sont vraiment de très, très beaux programmes, hein, qui sont prévus. D'autant plus qu'on a vraiment été sur des délais très, très courts, hein. C'est vrai qu'on a aussi des associations qui nous ont rejointes un peu plus tard. Il fallait le temps que tout se mette en place, que la communication puisse être actée. Donc, c'est vrai que pour une première journée, avec le peu de délais, c'est vraiment incroyable. C'est vrai qu'on est très embêté aussi, effectivement, avec le contexte sanitaire sur les histoires de présentiel webinaire. C'est vrai que certaines associations ont pu à la dernière minute prévoir du présentiel, mais c'est vrai que c'est très très compliqué d'avoir des salles, hein, des accords de salles. Et effectivement, hein, il nous avait été même conseillé par le ministère de la Santé de partir sur des webinaires directement parce que c'était vraiment très compliqué. Mais en tout cas, de toute façon, tous les événements sont vraiment très intéressants et vraiment bravo à toutes et tous pour cette première journée et de vous mettre dans le bain comme ça. Et de rejoindre vraiment cette belle journée. Voilà, donc merci beaucoup. Je propose maintenant de laisser la parole à Madame Reveste de l'association Dissolution France 06 qui organise avec TDAH PACA un événement donc à Nice, si je ne fais pas d'erreur. C'est ça. Et bonjour à tous. Et ben, Stéphanie a tout dit. Voilà, avec TDAH. Nos deux associations ont décidé tardivement, certes, de faire une manifestation. Alors nous, on a choisi de la faire en présentiel. Parce que ce qui remonte surtout, c'est que les gens en ont ras-le-bol du distanciel. Ils ont envie de se voir. Donc, on s'est mis à la recherche d'une salle. On a trouvé une salle. Il y a des normes qui sont assez restrictives, certes. Mais c'est bien parti pour être réussi. Et donc, on va faire que l'après-midi cette fois-ci. Parce que, voilà. On est un peu habitué parce qu'on fait souvent des manifestations sur les 10. Donc, effectivement, ça va permettre de… Tout le monde est bien rodé, c'est un gros avantage. Et donc, avec TDAH PACA, nous, on a la chance d'avoir le docteur Hervé Cassis, qui en plus vient de sortir un livre. Donc, c'est absolument merveilleux, ça tombe pile poil. Et donc, on va commencer par une séance de dédicace, parce que c'est un moment qui est assez extraordinaire. Et puis après, il va nous faire quelque chose sur le TDAH, mais à tous les âges, bien, c'est le versus médical. Et ça, c'est un peu nouveau dans notre département parce qu'on a déjà du mal à faire entendre le TDAH sur l'enfant. Mais alors, le TDAH sur l'adulte, vous voyez, on a encore de la marge. Donc là, on va aborder cette façon sur le TDAH, on va l'aborder ce jour-là, voilà, pour l'adulte. Et puis derrière, je ferai une petite conférence sur le TDAH à l'école et la façon de protéger nos enfants. Donc, par le dossier MDPH, puisque moi, j'ai la chance de siéger en CDAPH. Donc, comment on monte un dossier, pourquoi on monte un dossier, comment on le fait appliquer, etc., etc., etc. Voilà. Voilà. Et on est très, très content d'abord de vous rejoindre. Hein. Merci pour cette idée de journée. Moi, j'aime bien les journées nationales, en plus. Donc, on est très content de vous rejoindre. Et puis, voilà, on sera avec vous et très content de l'être. Merci beaucoup à vous. Et donc, pour le lieu exact de l'événement, donc ça se passera… Alors, ça se passe à Villeneuve-Loubet. C'est central au niveau du département. Nous, les Alpes-Maritimes, on est tout en bas de la France, à côté de la mer. Et Villeneuve-Loubet est un joli petit village qui est vraiment en bordure de mer. Voilà. D'accord. Intervenir… Alors, pourquoi un village ? C'est un gros village hein, quand même, hein, c'est même une petite ville, mais bon, c'est un esprit village. Pourquoi là ? Parce qu'il y a des parkings partout. Parce que nous, dans le 06, sur les Alpes-Maritimes, le stationnement, c'est toujours très compliqué. Donc, on a une salle, les parkings qui vont bien autour, tout parfait. Et on aura le soleil. Envoyez-en hein, du soleil, parce que nous, en Alsace, c'est pas polichon cette année. Hein. On veut bien du soleil. Alors, on va en envoyer. Merci. Je me permets juste de reprendre la main vite fait. Parce que Frédéric, en parallèle, montre un peu le site. Alors, juste pour info,
Le site est encore en cours de construction, hein, parce que c'est un gros travail. Donc, et là, effectivement, sous votre événement, je n'avais pas encore mis, j'ai pas encore eu le temps de mettre le bon texte. Alors, il y avait le logo, mais c'était pas le bon texte. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, tout sera bouclé d'ici ce soir ou demain matin ou plus tard. Voilà, je m'y attelle et j'espère que j'y arrive. Je fais au mieux, je fais au plus vite. Voilà, c'était juste la petite précision. D'accord. Stéphanie, je reviens, pardon, hein, mais je vois que le docteur Hervé Cassi nous a rejoint. Et si vous voulez dire un petit mot, hein, des fois que je n'ai pas tout dit quand même, ce serait bien parce que voilà, si on peut lui donner la parole, ce serait chouette. Merci. Avec plaisir. Docteur Cassi. Allô, vous m'entendez ? On vous entend de loin. Alors attendez, je vais essayer de mettre un. Je vais revenir, je reviens avec un micro, je reviens. D'accord. Alors, c'est vrai que oui, effectivement, on a eu beaucoup de choses à mettre en place. Le temps de… Voilà, hein, c'est tout de la dernière minute aussi avec les événements dans le cadre de la crise sanitaire. Donc, c'est vrai que malgré cette crise sanitaire où on a eu beaucoup de difficultés, vraiment, c'est formidable d'avoir pu justement créer tous ces événements en webinaire ou en présentiel. Donc, c'est vrai que Virginie, tu as énormément de travail parce qu'on te donne tout. Non ! Pas du tout, pas du tout. Donc c'est non, vrai c'est que chouette. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est la mobilisation est tellement extraordinaire et ça prouve bien qu'il y a une réelle demande, il y a un énorme besoin, il y a beaucoup de souffrance aussi, hein, même si on aime rebondir toujours sur une note positive et montrer aussi que le TDAH, finalement c'est une super force, un super pouvoir. Enfin voilà, après on peut en parler longtemps, mais c'est vrai que oui, là le travail il est énorme, il y a beaucoup de choses qui arrivent encore, mais on y arrive. Et de toute façon, le conseil qu'on peut donner aussi à chacun, hein, qui nous écoutera, c'est vraiment de toujours bien se référer au site internet et d'aller régulièrement, puisqu'il est actualisé, hein, donc planetetdah.org, qui permet vraiment d'aller voir les informations, les dernières informations mises à jour au fur et à mesure. Donc surtout, il faut vraiment se référer à ce site internet interassociatif, hein, que tu as créé, Virginie, pour pouvoir vraiment avoir les dernières informations, les derniers liens, etc. Donc, voilà ça. Oui, et puis je mets tout au fur et à mesure. Hein. Donc, effectivement, les dernières personnes qui se sont rajoutées, là, les derniers événements, on est en train de terminer là, donc tout ce qui est affiches, textes. Donc, voilà, je suis sur le qui-vive. Mais ce sera… Il est pratiquement bouclé. Hein. C'est juste là, le temps de terminer les deux, trois dernières choses. Ah, ben, il y a le docteur Cassi, je crois. Voilà, qui nous rejoint. Oui, voilà. Bonjour. Vous m'entendez là ? Super. Vous m'entendez mieux, c'est bon ? Voilà. Bon, première chose, merci à tous les organisateurs parce que c'est une journée nationale et j'espère que ça se profile bien et donc j'espère qu'on aura un super succès. C'est une cause importante pour laquelle beaucoup de monde se bat depuis longtemps et je vois avec plaisir que la tache d'huile se répand et contamine beaucoup de gens et donc bravo à tous, bravo. Donc, nous ferons un événement donc, sur Villeneuve-Loubet. Donc, il faut quand même rendre à César ce qui revient à César. Hein, c'est Françoise Revès qui a beaucoup organisé. Moi, j'ai juste organisé, assuré le background. Je vais faire juste une communication, donc voilà, une présentation. Donc, les gens qui sont intéressés d'écouter une conférence, bien, ils viendront. Et j'espère qu'ils apprendront beaucoup de choses et qu'ils répéteront ensuite les informations et que les fake news… dont on souffre tous depuis longtemps, pourront être combattus de cette manière et que les 2 millions de personnes qui sont concernées par le TDAH en France, plus si on rajoute les troubles d'apprentissage et tous les troubles du neurodéveloppement, auront droit de cité dans notre pays. Enfin, peut-être, espérons. Voilà. Merci. Merci, merci beaucoup, docteur. Merci Madame Revest aussi, merci à vous de vous joindre à cette belle journée et pour votre livre hein, aussi, parce que c'est vrai que ça va permettre aussi de faire évoluer les mentalités, d'apporter vraiment de l'information qui manque beaucoup, hein, même s'il y en a, mais c'est vrai que il faut toujours continuer à informer, sensibiliser pour changer le regard justement sur ce trouble.
Merci beaucoup à vous. Je vous propose de donner la parole à Sandrine pour son association Sport Adapté, pour nous présenter son événement lors de la journée du 12 juin. Donc Sandrine, on vous laisse la parole, il faut activer votre mic. Voilà, merci. Oui. Ça n'a pas bien marché. Bonjour à tous. Effectivement, merci à vous tous de nous avoir accompagnés sur cette journée-là. Donc nous, le 12 juin, on sera en présentiel. En tout cas, on a réussi à avoir une salle. Et il y aura une conférence débat à 10h à Nord-sur-Rhin, c'est dans le 44. C'est au-dessus de Nantes. Où nous aurons l'intervention d'une neuropsychologue qui va présenter le TDAH et puis donner quelques pistes de travail aussi, de prise en charge, etc. Ensuite, le témoignage d'un éducateur sportif qui accueille les jeunes dans son club, des témoignages de parents. Et ensuite, on redonnera la parole donc à la présidente du comité départemental du sport adapté de Loire-Atlantique pour présenter un nouveau projet, ce que je pense aux parents qui pourraient avoir un peu de répit familial. Donc, notre projet, c'est de proposer des cours de sport en fait, adaptés et aux capacités de chacun, et surtout pour les enfants, et que les parents puissent se retrouver entre eux à discuter, à peut-être échanger les bons procédés ou pouvoir juste se lâcher sur certaines expériences ou en tout cas pouvoir écouter, boire un petit café et décompresser entre parents pour que les enfants soient pris en charge par des éducateurs sportifs et compétents. D'accord, merci beaucoup. C'est vrai que ce sont vraiment des événements très complémentaires. Tout, c'est vraiment très, très bien. Merci beaucoup, Sandrine. Donc, pareil, pour retrouver toutes les informations sur votre événement, il faut absolument régulièrement aller voir le site Planète TDAH qui est actualisé régulièrement. Merci, Sandrine. Je vous propose de passer la parole à Sonia de l'association AIHDF. Sonia, je vous laisse la parole pour présenter votre événement. Il faut réactiver votre micro. Bonjour à tous et je salue votre événement. Bon, moi, je me suis greffée il y a même une huitaine de jours. Donc, j'ai trouvé l'événement tellement... magnifique, c'est un peu le parcours de ma vie quoi. Et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai contacté une charmante dame et puis qui m'a répondu. Et en ayant discuté avec mon groupe et on a réfléchi parce que le 12 normalement il y a un peu de lâchement, enfin au niveau le 12 on pourra se rejoindre, on peut se réunir. Donc en discutant, j'ai décidé de faire une marche symbolique, à peu près 2 à 3 km, on verra, avec éventuellement un petit discours de départ, voire j'essaie d'avoir monsieur le maire pour qu'il puisse éventuellement le mettre à notre cause. Le manque de temps de demander une salle, etc. Donc, je vais faire une visio à 18h le soir avec le président de Réseau Bulle, qui est président de Autiste, qui c'est un ami. Donc, il m'a dit pour toi, Sonia, je viens, donc parce que c'est en dernière minute. Et j'essaierai aussi d'avoir un témoignage d'un ambulancier. Qui prend en charge ou autre Donc pour nous, pour l'association AIHDF, voilà ce que je vous offre. Et j'espère que l'année prochaine, on va faire quelque chose justement encore mieux, parce que ces jours-ci, j'ai contacté, je fais partie du réseau Neurodev, troubles du neurodéveloppement. Et donc, ils commencent à peu près en septembre, ils ont changé de présidente, etc. Et avec le TDAH. Ma prochaine réunion qui sera au mois de novembre, j'inviterai la présidente
de venir avec moi ou autre, et pour justement qu'elle puisse incorporer cette belle structure aussi qui est le réseau NeuroDev. Donc ils sont au niveau du département, ils font des choses avec ce que vous êtes en train de parler, neuropsychiatre, etc. Voilà. Bon ben je vous remercie et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'essaierai d'être là à votre écoute, voilà. Et nous dans l'asso, on a aussi une magnétiseuse, enfin des choses comme ça qui peut permettre aussi par la suite, hein, on va voir comment on va faire avec la présidente, pour justement les parents ou autres, voilà, je discuterai par la suite avec votre président. Voilà, je vous remercie à tous. Merci beaucoup Sonia. Peut-être pour rappeler un peu au niveau de l'événement, donc ça se déroule à Beuvrage. Ah oui. Donnez l'heure et le lieu de rendez-vous pour les personnes qui souhaitent se joindre justement. Voilà. Alors le départ de la marche se fera devant la mairie, dans le parc, juste en face de la mairie, à 10h. Nous allons marcher et la visio se fera à 18h en live. Sur la page AIHDF. Voilà. Après, s'il y a des personnes qui veulent des renseignements ou autres, voilà, qui me contactent. Merci. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. Je vous propose de donner la parole à Nadia pour l'association TDAH pour une égalité des chances pour nous présenter l'événement du colloque de Lille. Bonjour tout le monde. À notre tour, je vais vous présenter de façon un peu schématique effectivement le colloque qui va avoir lieu à Lille et qui sera doublé en webinaire. Donc c'est un colloque qui aura lieu en présentiel sur la journée de 8h30 à 17h30. Voilà, je te laisse gérer Frédéric hein, sur l'exposition. Est-ce que tu peux me mettre le programme Frédéric, s'il te plaît? Donc c'est un colloque en fait qui aura un premier versant le matin plutôt médical. Je demande un tout petit instant parce que j'arrive pas à enlever. Hop, voilà. Donc le matin, on aura deux intervenants. On aura le professeur Frédéric Cauchemann qui est pédopsychiatre à la clinique Le Tréhamont et qui va nous exposer un petit peu ce qu'est le TDAH puisqu'on essaye de le faire connaître, reconnaître et de parvenir à des prises en charge adaptées. Donc, il va un petit peu nous l'exposer en nous évoquant les troubles associés, les risques en cas de non-prise en charge, le traitement médicamenteux et un état des lieux de la pédopsychiatrie en France. Le docteur Louise Carton, qui est elle psychiatre, addictologue, pharmacologue et qui est elle spécialisée dans le TDAH adulte et les addictions, viendra intervenir aussi. Pour nous évoquer un petit peu le risque addictionnel en fait quand on est TDAH. Je vais passer sur l'après-midi et après je parlerai en fait des intervenants. Voilà, hop. Et sur l'après-midi, donc à cheval entre le matin et l'après-midi, on a voulu faire intervenir aussi des adultes au niveau du TDAH pour bien faire comprendre au public que le TDAH ne s'arrêtait pas à l'enfance et qu'il perdurait sur l'âge adulte et qu'il embêtait encore à l'âge adulte. Donc, on a plusieurs intervenants qui vont venir témoigner, dont Adrien De Wyver, qui est journaliste belge et qui est auteur du livre « On m'appelle la tornade ». On a un adulte, Mathias Tex, qui arrivera de Lyon, enfin, qui est originaire de Lyon, et qui viendra un petit peu nous exposer les difficultés qu'il aura eues entre le passage enfance et adulte avec l'insertion sociale, l'insertion professionnelle. Voilà. On a tenu aussi demander des intervenants au niveau de l'éducation nationale et de la MDPH, qui sont quand même les deux gros domaines où il y a des problématiques pour les enfants TDAH et pour les familles accessoirement. Donc, grâce au travail acharné de Stéphanie, on a réussi à avoir deux intervenants pour l'éducation nationale. Alors, concernant l'éducation nationale, on voulait justement exposer un petit peu aux familles, soit qui découvrent, soit qui sont en plein dedans,
les dispositifs d'aide à la scolarité, donc avec une présentation de tous les plans spécifiques, hein, PAP, PPRE, les aménagements potentiels aux examens et certains conseils pour améliorer la communication avec l'établissement scolaire quand c'est un peu électrique, quand il y a quelques frictions, et puis aborder le travail à la maison. Au niveau du versant MDPH, donc on aura aussi une directrice d'une MDPH qui viendra intervenir et exposer un petit peu comment monter un dossier. Qu'est-ce que le GEVASCO, les matériels pédagogiques. On viendra évoquer les notions d'AESH, les différentes orientations, les prestations qui en découlent et toutes les possibilités de recours que bon nombre de familles ne connaissent pas. Bien sûr, il y aura des échanges avec le public. Il y aura des échanges comme c'est un présentiel qui sera doublé d'un webinaire via un chat que M. Frédéric Poisson va gérer d'une maître de Dieu. Le public pourra poser des questions en fait, au fil des interventions qui seront ensuite... qui auront des réponses en fait, qui seront apportées sur des temps d'échange de façon à ce que ce soit un petit peu interactif et qu'on n'ait pas qu'une présentation un peu lourde et où tout le monde décroche. Et entre les interventions en fait, le matin et l'après-midi, il y aura des témoignages. Donc le matin, il y aura un témoignage en fait, au niveau du parcours, disons chaotique pour les enfants et les familles. Qui sera l'écho général en fait, des familles, voilà, qui aura lieu juste... en fin d'intervention du professeur Cauchemann. L'après-midi, il y aura le témoignage de Pauline, donc qui est la fille de Stéphanie Jacquet, donc, qui viendra un petit peu évoquer son quotidien, ses difficultés en classe et les aménagements scolaires dont elle peut bénéficier. On fera une petite aparté aussi sur les bureaux vélos que Stéphanie présentera, qui sont des outils qui sont très, très aidants pour les enfants. Donc voilà, grosso modo, ce qui concernera le colloque de Lille et on le clôturera avec une vidéo qui s'intitule « Génération TDAH » où les enfants viendront exposer un petit peu ce vidéo dans ces clips qui a été monté. Voilà, pour finir sur une note effectivement un peu positive et se dire que... avec une meilleure connaissance, une meilleure reconnaissance et des prises en charge adaptées, il y a des belles choses qui peuvent se passer finalement. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Merci beaucoup Nadia. C'est vrai que juste peut-être préciser que c'est vrai qu'on avait eu, on a eu beaucoup de difficultés à avoir des intervenants de la MDPH et de l'éducation nationale. Donc c'est vrai que ça c'est ben, notre programme s'est bouclé hier ou avant-hier, je ne sais plus comment on vit, une vendredi soir. Et c'est vrai que là on a pu avoir l'aide du secrétariat d'État sur ces deux intervenants au niveau de notre colloque. Et bon, c'est vrai que ce sont des personnes aussi investies, donc ça va être aussi effectivement intéressant. Et donc pareil hein, pour chaque événement, tout est répertorié sur le site Planète TDAH qui est mis à jour régulièrement. Là, je vous propose de merci Nadia, Stéphanie, pour tous ces renseignements. Oui, alors juste devant lui par rapport au site, je me permets. Donc, on va créer celle-là. Je l'ai pas encore créée hein, la rubrique. Je vais essayer de faire ça ce soir pour justement qu'il y ait toutes les infos. Donc sur le site, une rubrique en effet avec tous les détails vraiment. S'il y a eu des articles, s'il y a eu des spots radio, enfin pour expliquer vraiment, pour dire tout ce qu'il y a eu, tout ce qui a été fait, pour qu'on ait vraiment quelque chose le plus complet possible. Donc, comme dit le site, il est en perpétuelle évolution et je rajoute vraiment au fur et à mesure et dès que j'ai toutes les infos. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à y aller régulièrement, à regarder, parce que de toute façon, il va être continuellement remis à jour, hein, puisque de toute façon, c'est un site qui va continuer d'exister. Voilà, c'était la petite précision. Bah super, merci beaucoup Virginie. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de quelques interventions médias. Hein. Il y a le docteur Cassis qui a eu, c'était sur France Inter de mémoire, sur le TDAH adulte, avec également Adrien De Weyver, hein, qui donc là c'est vrai que ça a permis aussi de vraiment sensibiliser aussi sur le TDAH adulte. Ce matin il y a eu aussi une émission donc avec le docteur Frédéric Cauchemann qui a parlé du TDAH également.
Voilà. Et il y aura effectivement d'autres articles de presse. Il y a pas mal de choses prévues. Notamment, il y aura un reportage aussi sur la nationale. Jeudi, il y aura tout un tas d'autres événements médiatiques, donc c'est super si ça peut être répertorié. Et donc le docteur Cassi nous indique qu'il y aura une émission sur France 3 Méditerranée diffusée le vendredi 11. C'est formidable. Ce sera, vous connaissez l'heure de diffusion ou pas encore? Je sais que c'est un projet qu'on avait depuis longtemps et qui va se concrétiser puisqu'on prend le prétexte supplémentaire de votre journée. Donc merci pour le prétexte. Donc, il y aura un tournage sur le plateau de France 3 jeudi. Ça sera diffusé donc vendredi. Je pense qu'on a à peu près une heure de diffusion. On va préciser le format mardi matin, mais c'est en bonne voie. Donc, voilà, ça sera une tribune de plus et ça sera diffusé sur toute la région PACA, donc y compris jusqu'à nos amis voisins et de Marseille. Donc, tout va bien. On est tous sur le même bateau, ça marche. C'est super. Merci beaucoup, docteur. Je vous propose de passer la parole à Claire, donc qui devait être avec nous, mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué cette année. Et c'est vrai que tu as souhaité aussi justement mettre en place quelque chose sur Toulouse, puisque c'est vrai qu'il n'y avait pas d'action, hein, pas d'événement qui était prévu. Donc, je te laisse la parole, Claire, pour parler de ton événement à Toulouse. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, nous pouvons venir sur l'île pour le colloque, malheureusement. Donc, j'ai souhaité organiser quelques petits événements. Donc, j'ai pu avoir des partenaires qui ont répondu présents aussi. Donc, au niveau de Grenade sur Garonne, toute la semaine prochaine, il y aura la bibliothèque municipale, une table thématique sur le TDAH, donc avec les ouvrages sur le sujet qui sont disponibles à la bibliothèque, les flyers de la journée et des explications sur le TDAH. J'irai également de temps en temps en présence pour pouvoir répondre aux questions et faire de la sensibilisation. Ensuite, le samedi 12, tout l'après-midi, de 13h30 à 19h, je serai présente sur un événement qui a lieu chaque année à Grenade-sur-Garonne qui s'appelle le Grenanime. Donc, pareil, je tiendrai un stand de sensibilisation au TDAH et répondre aux questions avec les rubans orange, bracelets orange et les affiches de la journée. Ensuite, il y a une éducatrice spécialisée, Madame Delphine Morisseau, qui a la gentillesse d'organiser à Lavernoz-Lacasse, près de Muret, une après-midi échange et sensibilisation sur le TDAH directement à son cabinet. Et enfin, un événement qui est un petit peu décalé, hein, puisqu'il aura lieu le samedi 19 juin, mais ça, c'était par rapport aux possibilités de salle, donc à l'espace VO de Montauban, donc le samedi 19 à 14h, il y aura la projection du film documentaire Boboom, qui a été réalisé par Sylvie Comagnac et Sophie Carlin, qui est chorégraphe, réalisé pour notre association et en partenariat avec nous, bien sûr, dans le cadre de la Journée nationale de sensibilisation au TDAH. Donc, ce film, c'est une immersion au cœur de deux week-ends de création de danse, spectacle, avec 8 enfants qui ont un TDAH. Et le film sera suivi de discussions, débats sur le TDAH. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup. Je vois dans les commentaires qu'il y a donc les bénévoles de Dissemblables qui ont fabriqué un vélo pupitre qui servira à faire une sensibilisation dans une école le 11 juin. Je n'ai pas la ville, si éventuellement on peut m'indiquer la ville. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'autres événements, hein, notamment au niveau d'Arras.
Nadia, c'est toi qui as suivi cette action des mamans qui vont tenir un stand, je crois, au Champ Arras le 12 juin, donc dans le Pas-de-Calais aussi, pour informer. Il y a énormément de choses qui se mettent en place. Et là, je vais juste vous parler de l'événement hein, de TF1, puisque les organisatrices n'ont pas pu nous rejoindre, donc c'est cet événement commencera en fait hein, la semaine hein, de sensibilisation, donc le mardi 8 juin. Donc ce sera une table ronde au sein de TF1 grâce à la directrice de la fondation TF1 sous forme de table ronde avec donc l'intervention de Sylvie Chocron sur le TDAH adulte, le TDAH en général, le docteur Jean-Baptiste Alexanian, Adrien De Weyver qui va également témoigner hein, sur le sujet du TDAH. Donc j'interviendrai également avec ma fille Pauline hein, pour qu'elle explique ses difficultés et ses atouts. Voilà, donc ce sera animé par la journaliste Anne-Chloé Beauté. Ce sera diffusé sur les réseaux sociaux de TF1 via leur chaîne YouTube, Facebook et Vimeo. Voilà, donc ce seront des événements qui pourront être à nouveau diffusés aussi par la suite. Voilà, donc pareil, tous les liens sont indiqués, hein, donc là ça se déroulera en webinaire, sont bien sûr indiqués sur le site interassociatif Planète TDAH. Donc en gros, on commence réellement le 8 juin, mardi prochain, donc dans deux jours, le premier événement. Le mercredi, il y aura aussi des événements qui vont se dérouler au sein des centres sociaux, des centres aérés. C'est vrai qu'il y a des lâchers de ballons qui sont organisés, par exemple à la ville à côté de chez moi, hein, donc là on diffusera aussi. Il y a plein d'événements, je pense, dont on n'a pas forcément connaissance, mais on espère pouvoir ensuite partager ça avec tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a une très très belle mobilisation partout en France et même à La Réunion, etc. Il y aura aussi la mobilisation des écoles le 11 juin, puisque le 12 juin tombe un samedi, donc effectivement, les écoles vous sont mobilisées le 11 juin avec le port d'une touche orange ou un ruban ou un bracelet. Donc, surtout, n'hésitez pas, il est encore temps de solliciter vos écoles, de demander juste qu'on ait une petite pensée. Il y a des outils aussi à votre disposition. Hein. Il y a une vidéo de sensibilisation. Là, il y a le clip de la chanson Génération TDAH qui vient de sortir. Il y a tout un tas de liens hein, avec tous les partenaires, toutes les associations. Vous pouvez aller consulter sur les sites de ce que vous pouvez éventuellement diffuser au sein des écoles. Il existe une BD aussi qui a été faite par Linda Coraza, donc même Linda. Il y a des livres hein, qui sont effectivement très importants pour mieux connaître le sujet. Donc le livre du docteur Cassie, par exemple. Si vous pouviez juste nous rappeler le titre de votre livre. Alors, c'est « Toi, moi et le trouble du déficit d'attention avec hyperactivité ». Donc c'est chez Flammarion, un peu de pub, c'est pas très cher, 19,80 €. Et il y a 310 pages de témoignages et d'informations, et tout est sourcé, tout est documenté au niveau scientifique. Et ça traite bien sûr de tous les aspects du TDAH dans l'enfance et à l'âge adulte, avec les difficultés qui sont bien sûr différentes, hein, entre le milieu scolaire, familial et professionnel, conjugal, on va dire. Donc voilà, c'est apparemment bien reçu, c'est volontairement très lisible et je pense que là-dessus on a bien ciblé les choses. Il faut que je remercie ma co-autrice hein, qui est Marie-Pierre Samitier, qui est journaliste à France 2 et qui s'est chargée de toutes les interviews des patients dont on a changé que le nom. Les histoires sont toutes exactes. Enfin, on me demande si on a rêvé. Non, c'est tout est vrai. Tout est vrai, il n'y a pas de souci. Voilà. Encore, on a caché quelques-unes. Enfin bon. D'accord, merci beaucoup docteur Cassie, ça donne vraiment envie de le lire. Il y a d'autres livres aussi, hein, le livre d'Adrien De Weyver qui est vraiment sur son personnel, qui est vraiment aussi très intéressant. Il y a un titre sympa d'ailleurs, hein. On m'appelle La Tornade, c'est sympa comme titre. Ça correspond bien en tout cas au profil du TDAH. Alors, je pense que de toute façon aussi, tu avais mis des conseils de lecture aussi sur le site. Donc, il y a toute une bibliographie. Pareil, hein, être mis à jour régulièrement. Qui seront vraiment des références aussi, des lectures qui ont été faites. Voilà. Et puis alors, écoute, j'en profite juste parce qu'il y a un dernier événement qui s'est greffé, ça fait quelques jours, et j'attends Frédéric qui effectivement est en train de me faire l'affiche.
parce qu'il y a eu un super article à ce sujet. J'ai eu la personne au téléphone il y a 8 jours. Il y a donc Trouve mon galet 21 qui co-organise avec en fait une association qui est en cours de création qui s'appelle TDH Burgonde. Ils vont organiser en fait une immense spirale de galets, donc des galets orange, enfin, aux couleurs du TDH avec des sigles, des choses comme ça. Et ça, je vais le mettre aussi hein, sur le site, ça, ce n'est pas encore fait. Et ils ont eu un très, très bel article. Alors, attends, parce que je crois qu'elle me l'a envoyé, un article vraiment très sympa, une double page. Hein. Oui, double page. Et alors, bon, je n'ai plus le nom exact. Donc, ils sont en Côte d'Or. Voilà, donc dans le 21. Et donc, ça, c'est un événement que je vais rajouter sur le site. Et eux, je pense que c'est les derniers là, qui se sont greffés un peu là à tout l'événement. Voilà. Merci beaucoup, Virginie. Donc, là, pour la fabrication du bureau vélo, hein, il s'agit, ça va se passer à Saint-Benoît, à l'île de la Réunion. Voilà. Donc, après, il y a bien d'autres événements. Hein. Il y a l'événement de l'eau, l'occasion d'en parler à Montpellier, qui aura lieu le 12 juin aussi. L'événement de cartable allégé, qui aura lieu en Bretagne. Il y a d'autres événements, hein, parce qu'il y en a tellement finalement qu'on a un peu de mal à suivre maintenant. Et c'est très bien. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que Virginie répertorie tout au fur et à mesure. N'hésitez pas à retourner dessus régulièrement hein, sur ce site internet. Il y a une question qui était posée au niveau des commentaires. C'est est-ce que les conférences seront visibles ultérieurement ? Voilà, donc je vous laisse prendre la parole. Pour Villeneuve-Loubet et Nice, oui, il y aura ça sera filmé. Et j'espère qu'on aura un son de qualité, parce que la salle n'est pas équipée en système vidéo. Donc, on va bricoler quelque chose et ça devrait bien se passer. Voilà. Donc, on diffusera ensuite sur YouTube éventuellement, si tout se passe bien. D'accord, merci beaucoup. Du coup, Stéphanie, je reprends. Pour répondre un petit peu à l'interrogation, pour nous, ça sera également disponible sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. C'est également le cas de la journée des 10 et de la conférence qu'on a fait sur le haut potentiel, puisque sur la maison Arbodis, on accompagne aussi les comorbidités du TDAH. Donc, celle-ci sera de la même façon diffusée gratuitement et en replay, elle pourra être vue ultérieurement. D'accord, merci beaucoup. Sonia ? Il n'y a pas le micro, il faut réactiver. Alors, moi de même, hein, c'est pareil, ça sera sur le réseau live Facebook diffusé aussi. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Sandrine, là, il s'agit d'un événement sportif, donc il y aura, je suppose, des photos, des choses à partager de toute façon sur la page et sur le site. Alors, de toute façon, au niveau de la conférence, on va essayer de l'enregistrer, mais la technologie et nous, c'est pas encore ça à 100%, d'où le choix de le faire en présentiel plutôt qu'en webinaire, pour être vraiment honnête. L'ouverture le 9 juin, ça nous a facilité les choses. On va essayer effectivement de l'enregistrer, on va essayer de par la suite, parce que c'est dans l'été, on va essayer d'aller sur un peu de la nation. On a tout un petit projet, donc j'essaierai de faire des photos et des vidéos et de vous les envoyer. D'accord, merci beaucoup. Ben, je vous avoue que nous, on est vraiment aussi, heureusement, on a la chance d'avoir Frédéric Poisson, mais parce que c'est vrai que techniquement, c'est très compliqué pour nous. On avait recherché aussi éventuellement des professionnels, mais alors là, c'est vrai que ça représente un coût hein, qui n'est pas négligeable. Donc, c'est vrai que très honnêtement, ben, on a Frédéric qui nous sauve un peu la mise parce que au niveau de l'équipe, voilà. Hein, Il nous aide beaucoup sur plein de points et notamment sur la technique. Voilà. Il y a beaucoup de villes aussi hein, qui se mobilisent, des écoles qui transmettent les flyers grâce à l'impulsion hein, des familles. En tout cas, il faut continuer, on a encore le temps. N'hésitez pas à partager hein, sur les réseaux toutes les choses qui vont se mettre en place, tous les événements. Et surtout, reportez-vous régulièrement au niveau du site planetetdh.org. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres choses à ajouter.
Je pense que ça a été assez complet. J'essaie de regarder un peu au niveau des questions. Peut-être si on voit d'autres questions par la suite ou en commentaire en dessous de ce live, on pourra peut-être transmettre justement aux associations concernées pour faire le lien, puisque c'est vrai que ce live a été décidé à la dernière minute, donc tout le monde n'a pas pu se connecter à ce moment-là. Donc voilà, est-ce que vous avez des choses à ajouter ? C'est bon aussi. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont effectivement des questions ou d'autres choses. N'hésitez pas, c'est le moment. Moi, je voulais. Enfin, on est tous acteurs, on est tous partenaires finalement dans ce projet là de cette première journée nationale de sensibilisation. On a remarqué qu'il y avait une grosse vague de mobilisation des parents, des familles, et je voulais la relever. Parce qu'ils ne sont peut-être pas tous devant l'écran, mais voilà, ils sont peut-être en train de se balader. Ils vont peut-être la revoir ce soir ou les jours prochains. Je voulais les remercier parce qu'il y a beaucoup d'actions, de petites actions locales qui sont faites. Effectivement, il y a eu beaucoup de mises en lien avec les établissements scolaires. Alors, il y en a qui n'ont pas pris, il y en a qui ont pris, mais en tous les cas, pour ceux qui ont pris, il y a des mamans qui ont été sollicitées pour présenter sur une heure ou deux ce que c'était que le TDAH en classe. Sous un préau, à un moment de récréation. Il y a des mamans qui ont été appelées pour être interviewées par des radios locales. C'est des mamans qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire. Déjà, pour nous, ce n'est pas forcément là de s'exprimer en live. Donc, je trouve qu'il était important de relever ça. Effectivement, Stéphanie, voilà, je ne vais pas développer le projet d'Arras, mais c'est quand même un groupe de quelques mamans qui se sont bien motivées entre elles et qui vont faire une journée de sensibilisation donc, à leur façon dans un centre commercial. Donc, elles ont acheté une table, elles ont préparé une nappe, elles ont mis des ballons. Il va y avoir un lâcher de ballon aussi, hein, Stéphanie, un lâcher de ballon orange. Donc, il y a eu un bel engouement aussi au niveau des familles et qui prend localement et qui nous permet aussi de faire exister ce TDAH et du coup de donner un peu plus d'ampleur à cette journée de sensibilisation et qui fera certainement un peu plus de bruit que ce qu'on fait nous déjà à plus haute échelle, on va dire. Donc, je voulais le relever et je voulais les remercier au passage. Oui, c'est vrai que c'est vraiment important ce que tu précises, hein, Nadia. C'est vrai que le rôle des parents est très, très important et c'est vrai qu'il y a une magnifique mobilisation des associations, de nombreuses associations en France, de professionnels de santé, de familles. Et effectivement, juste parce que tu me donnes l'idée, hein, Nadia, c'est vrai qu'il y a même des enfants qui préparent des exposés avec leurs parents pour présenter à leur classe le TDAH et c'est vrai que c'est merveilleux. Tout en orange, hein, tous en orange aussi. Et oui, tu as vraiment raison, Nadia, de l'ajouter parce que c'est vraiment, je pense, une première fois parce qu'on a beaucoup de difficultés sur cette mobilisation en général parce que c'est encore un sujet tabou et là c'est vrai que vraiment il y a beaucoup d'initiatives merveilleuses et c'est vrai que oui, merci beaucoup Nadia, merci. Juste pour finir, Stéphanie, si tu me permets, pour rejoindre ce que Nadia et toi, vous venez de dire, je voudrais moi remercier également les entreprises qui ont partagé l'affiche à leurs salariés, tout simplement parce que nous, à notre niveau, on a reçu l'appel d'un papa qui est un Français expatrié en Corée du Sud et qui a eu l'affiche par son entreprise, donc qui est au courant des événements qui vont avoir lieu et qui nous a contactés pour pouvoir échanger avec nous parce qu'il risque de revenir sur notre secteur. Et du coup, merci aux entreprises qui ont joué le jeu et qui ont transmis ça à leurs salariés. Oui, il y en a, effectivement. Il y a eu, c'est pour ça qu'on avait fait le courrier d'ailleurs, hein, la petite lettre explicative pour les entreprises parce que c'était important, on l'a dit, hein, c'est un sujet quand même qui est encore très méconnu. Il y a beaucoup de préjugés, c'est tabou de toute façon. Et puis, on a toujours l'image, on le sait toutes et tous, hein, l'enfant qui a un TDAH, qui est un sale gosse mal élevé. C'est quand même souvent ce qui revient, malheureusement. Un adulte qui a un TDAH et qui est impulsif, souvent, on le voit aussi comme un peu un foufou qui part dans tous les sens. Enfin, voilà, il y a plein de choses hein, qui circulent. Donc, c'était un peu l'idée aussi… de cette lettre, c'était d'ailleurs à la demande d'une maman qui s'est mobilisée, à fond les ballons, hein, qui sur la page Facebook de la Journée nationale avait demandé « Ah bah tiens, telle entreprise me demande, est-ce que vous pourriez faire ?» Donc, c'était le moment effectivement de faire une lettre et il y en a beaucoup qui s'en sont emparés. On avait aussi fait la lettre, c'est Juliette Speranza, là, elle n'est pas avec nous, mais qui avait fait la lettre pour
le personnel éducatif. Et finalement, c'est une très bonne idée parce que je pense qu'il faut expliquer à chaque entité, je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà, on a fait un courrier spécifique donc pour l'éducation nationale, un autre spécifique pour les entreprises. Et on a essayé d'expliquer le plus simplement possible ce que c'était ce fameux TDAH et comment ça pouvait se manifester pour que vraiment on sorte un peu là de cette méconnaissance, de ces préjugés qui finalement nous pourrissent un peu quand même la vie à nous tous, en fait, famille d'enfants porteurs de TDAH ou adultes porteurs de TDAH. Et pour rebondir sur ce que disait Nadia, oui, il y a une mobilisation. Enfin, moi, j'en parle souvent avec Stéphanie. Moi, je suis ébahie par cette mobilisation des familles. Enfin, c'est extraordinaire, c'est juste magique. Alors, même si avec Stéphanie, on n'avait peut-être pas pris la mesure au départ quand on a lancé la journée nationale, mais encore une fois, on voit qu'il y a un réel besoin, il y a une demande, et puis il faut quand même maintenant, à un moment donné, qu'on sorte de tout ça et qu'on avance sur le sujet, qu'on porte la voix de ce TDAH et qu'on accepte aussi, voilà, on parle de cette neurodiversité, on parle de tout ça, et c'est important. C'est important aussi que les gens comprennent que TDAH, bon, c'est un acronyme, toutes les personnes qui ont un TDAH ne sont pas forcément hyperactives, toutes les personnes qui ont un TDAH ne sont pas forcément impulsives. Enfin voilà, il y a un peu un mix, on peut avoir ce qu'on appelle un TDAH combiné ou pas, et ça aussi c'est très difficile à comprendre parce que quand on ne connaît pas, ben, voilà, on ne peut pas savoir. Et puis alors en plus, moi je milite pour que le I de l'impulsivité apparaisse dans l'acronyme parce que celui-là il passe à l'AS. Et l'impulsivité est quand même très souvent présente et c'est souvent quand même l'impulsivité aussi qui pose problème. Voilà, donc effectivement, pour revenir à ce qu'on disait, un grand merci à tous. Et il y a des familles qui ont fait un travail en effet extraordinaire, qui ont fait des nœuds, enfin des petits rubans qui se démènent et puis qui partagent ça sur les pages Facebook. C'est juste génial, c'est juste génial. Voilà, donc bravo, bravo, bravo à tous. Et je voulais juste, pour terminer, au nom de l'association, c'était de prévenir que toutes les villes, en fait, faisaient ces événements-là avec une gratuité de partout. En fait, voilà, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit suffisamment, c'est gratuit dans toutes les villes. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. C'est vrai que c'était important aussi de le souligner. Et juste un dernier point aussi, les communes qui ont accepté, puisque pareil, un courrier commun a été fait. Beaucoup de villes qui se sont mobilisées suite à la demande des mamans, en général, ou des papas, pour justement faire imprimer ces flyers et ces affiches, puisqu'on sait que ça représente un coût. Et donc, beaucoup de communes ont accepté d'imprimer 400 flyers, 500, enfin voilà. Donc, c'est vraiment aussi, ça fait vraiment partie de quelque chose de très important. Voilà, donc effectivement, tout le monde se mobilise et même si on a des refus, c'est pas grave. L'année prochaine, je pense qu'il y aura encore plus d'accords et que ça continuera comme ça pour la deuxième édition aussi. Et une chouette première édition, en tout cas, en perspective et qui a déjà commencé finalement. Complètement. Voilà, est-ce que je pense qu'on en a terminé? S'il y avait d'autres questions. Bon, éventuellement, s'il y a d'autres questions, on essaiera d'y répondre de manière. On retransmettra auprès des associations. Toujours les mêmes, je le répète, mais surtout, il faut se référer sur le site internet Planète TDAH, où vous avez tous les événements, mais qui sont mis à jour régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à plusieurs reprises pour avoir toutes les dernières informations. Voilà, pardon. Juste pour préciser, Stéphanie, oui. Portez tous votre petit ruban orange. Ah, on l'a. Et faites très attention pour les inscriptions webinaires des différentes associations, car il y a plusieurs liens pour la journée. Pour la nôtre, par exemple, il y a deux liens, un lien pour la matinée, un lien pour l'après-midi. Donc, faites très attention lorsque vous inscrivez, si vous voulez le faire sur la journée, à bien vous inscrire sur les deux liens. Et c'est pareil pour Typique Atypique, qui a un lien par… Nous, on en a quatre. Quatre liens, voilà. Merci pour la précision. Merci beaucoup, Frédéric. Eh bien, en tout cas, merci à toutes et tous.
Je pense que c'était vraiment important aussi de pouvoir présenter les événements. Tout le monde n'a pas pu nous rejoindre parce que malheureusement, c'est vrai que ça s'est fait à la dernière minute. L'année prochaine, on sera calé pile poil pour tout organiser. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. Belle journée à toutes et tous. Belle journée du 11, du 8, 9, 10, 11, 12 juin. Et à très bientôt. On se tient en tout cas au courant. Et merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.